Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Calme-toi, Morgane, hein, doucement. Je vous rappelle quand même que le mec est complètement détraqué. Hein. Ok. D'accord. Ils savent les scénaristes qu'ils ont merdé. Ils le savent. C'est une très bonne intro. Alors commence avec sa caméra, putain. Ça va, j'aime bien. Ok, donc on te reparle du CRM. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah! What? Colonie. Des bières! Ils font picoler depuis la saison 5 de toute façon. Ah, chérie. Who's ground seven? What's drop side Baker? You know, who is it? Give it. C'est un drôle de duo, je trouve. When you're talking to a guy who walked halfway across the country because his wife left him without. C'est exactement ça. Ils étaient assis sur un cercueil, là. Ouais, c'est un duo assez étrange. C'est pas mal. Il a pas dû bien dormir, lui, hein. Là, il dormira mieux, là. Encore le même message, ok. Ils ont rajouté énormément de rythme dans les épisodes. En même temps, on se doute bien que le CRM... sont pas très bons. Ah là là... On aimerait tellement avoir des réponses. La peste bubonique, voilà, je connais pas du tout. Moi, j'ai une sacrée migraine, donc j'essaye de me concentrer un maximum, mais c'est dur. Ouais, donc elle veut rejoindre l'hélicoptère. La dame à la bière. Putain, dire qu'ils nous ont gâché ça. Enfin, gâché, on s'en branle un peu, mais... Elle est vraiment en train de défoncer un mur comme ça, là. Elle est aventurée de l'extrême. Ils prennent des gros risques pour, au final, ne pas savoir ce qui les attend. Hein. Et les murs, c'est du beurre, en fait. Quoi? Infecté en si peu de temps? Ah oui, ça me semble plus logique, hein. Mais elle vient d'où, elle? Elle gâche ses dernières balles alors qu'elle se les fera à la main. Elle ressemble plus à rien, là. Le pauvre. Ok. Ça fait bizarre, c'est un duo qu'on connaît pas, donc. Donc on va voir Isabelle. Ce qui me semblerait logique dans tous les cas. Sympa l'ambiance.
Dommage qu'on n'ait pas développé ce duo un petit peu avant. Elle va l'appeler. Oh la crampe. Oh, on s'est mangé une pilule. Donc le CRM est autour, mais par contre, c'est tout, quoi. Putain, la crampe à la con, putain. Mais comment on le sait pour les médocs, en fait? Elle les avait laissés depuis longtemps, peut-être. Il y a des trucs qui m'échappent là. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas été très convaincu par l'épisode, non seulement parce qu'il se passe pas grand-chose et qu'on se mange quand même deux bonnes grosses pilules dans l'épisode, ça me rappelle en fait des épisodes de Fear the Walking Dead où t'as l'impression d'avancer et au final tu n'avances pas du tout. Alors, il y a des moments où c'est très intéressant, par exemple l'intro avec Morgan, j'ai bien aimé, parce que dans l'écriture, quand il explique justement qu'il a 16 personnalités, que ça va pas bien pour lui, etc., c'est logique, ok, c'est cohérent et c'est ce qu'on attend. Les scénaristes ont enfin compris, je pense, l'écriture qui n'allait pas en saison 4 et 5, et là ils essayent de se rattraper, donc avec des dialogues qui les essayent de rendre cohérents par rapport au personnage, donc l'intro, j'ai rien à dire. Morgan qui refait son arme, qui explique justement qu'il a quelqu'un, donc dans la communauté de Virginia, et qu'il va mettre en place quelque chose pour ramener les autres ici, là-dessus. Ok, pas de souci, l'intro est très bonne. Mais dans cet épisode, on va se concentrer essentiellement sur Althea et Dwight. D'ailleurs, c'est un duo assez étonnant. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable non plus. Je pense que ça aurait eu plus d'impact si on l'avait développé en saison 5, par exemple. Là, avec le bond dans le temps, c'est un petit peu un ta gueule, c'est magique et son pote maintenant. Bon, ça me dérange pas, j'ai pas détesté. J'espère qu'à l'avenir, on va travailler encore un petit peu cette relation parce que bon, c'est pas mauvais, donc ça peut être intéressant par la suite. Moi, ce qui va me déranger dans cet épisode, c'est le fait qu'on n'avance pas spécialement. En fait, c'est un épisode, alors je dirais pas de remplissage parce qu'effectivement, il va se passer quelque chose à la fin. Dwight va retrouver Chéri. Alors, bon, je suis content pour le personnage de Dwight, mais on nous l'avait teasé, donc pas de surprise pour nous, hein. J'ai pas été étonné à la fin. Et j'ai trouvé ça aussi, bah, sans émotion, sans rien, on s'y attendait, et puis elle pop comme ça de nulle part parce qu'elle a vu la fusée éclairante. Bon, ça fait quand même des mois et des mois et des mois qu'elle lui laisse des indices un petit peu partout. Tiens, je suis ici, si tu récupères la lettre, je serai là-bas maintenant grâce aux indices que tu as trouvés. Et il se balade un peu partout pour la trouver, et au final, elle se trouve autour de lui. J'espère que ça va être expliqué dans les épisodes prochains parce que là, franchement, honnêtement, oh, comme par hasard, Chéri revient. Ouais, moi honnêtement ça m'a rien fait du tout, je vais pas faire semblant d'être impressionné ou de lâcher une petite larme, les Américains vont sûrement le faire, moi vous me connaissez, cette scène ne m'a absolument pas touché, je suis content pour le personnage de Dwight parce qu'effectivement il mérite depuis la saison 7 et 8 de bonnes choses, de jolies choses, mais la scène en soi, aucun impact. Ce qui va me déranger aussi, encore une fois dans cet épisode, t'as l'impression qu'on va voir le CRM encore une fois, qu'on va voir Isabelle, ça monte crescendo, crescendo, on voit l'hélicoptère et au final, hop, une pilule. Voilà, ils font ça à chaque fois et ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Ils le font déjà avec un peu World Beyond, on va pas se mentir, même si on a beaucoup plus de réponses. Ils l'ont fait aussi dans la saison 5 de Fear avec Grace, la SM médicaments, à l'épisode 10 qui est un épisode catastrophique. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que l'épisode est mauvais, hein. Le 3 est dans la continuité des premiers de cette saison 6. Intéressant, rythmé, toujours très bien réalisé, mais on n'avance pas. Voilà, on va enfin conclure l'arc de Dwight avec Chéri, et il était temps parce que honnêtement, s'il vous plaît, on s'en branle, on s'en branle.
ils seront ensemble, tant mieux. Je ne déteste pas Shiri, je n'ai aucun avis sur elle. On verra par la suite comment ça va être écrit. Pour Althea et Isabelle, c'est vrai qu'on aimerait bien, voilà, un petit peu plus de développement. Bon, malheureusement, il n'y en a pas. Je pense qu'Isabelle a compris à la fin que c'était Al qui lui parlait. J'espère juste que cet épisode, en fait, va servir un petit peu de transition pour Dwight et Al. Un épisode qui permettrait donc de mettre en place de nouvelles choses avec eux qu'on verrait par la suite. C'est comme ça que je vois l'épisode. Parce que si l'épisode se termine comme ça, et que Isabelle, on la revoit plus, que Dwight et Shiri c'est pas travaillé, ouais, là ça va être difficile. Je vais pas trop m'attarder non plus sur l'épisode comme je disais parce qu'il n'y a pas grand chose vraiment à dire. Il y a pour moi des grosses incohérences, comment ça se fait qu'il y ait donc la caisse de ravitaillement avec les bières et les médicaments, comme par hasard les médicaments qui vont soigner les gens malades. Bon, ok. Qu'est-ce que fout Shiri autour de Dwight? Je veux dire déjà, qu'est-ce que c'est que cette idée d'avoir mis des indices dans des endroits différents à Dwight pour la retrouver? Je veux dire, heureusement qu'il l'aime, hein. Parce que moi, ma meuf, elle fait un truc pareil en me foutant des messages à Aix-les-Bains ou ici les Moulineaux. Ah ben, j'y vais pas, moi, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Alors, à mon avis, il se fout un peu chier dans l'univers Walking Dead, hein. Ça s'ennuie un peu, en même temps, c'est vrai qu'il y a plus grand chose. Je peux comprendre. Et moi, ce qui va me déranger, c'est que l'autre, elle pop de nulle part, comme ça, voilà. C'est un épisode vraiment. Bon, ok, voilà. Pour moi, c'est un épisode de la saison 5, partie A. C'est-à-dire que intrigant, intéressant, mais au final qui n'apporte pas grand-chose pour l'instant, à moins que plus tard ce soit travaillé, et je l'espère, car l'épisode 4 sera centré sur John, mon Johnny. Voilà, un épisode qui n'est pas incroyable, qui n'est pas mauvais, où il se passe des choses et à la fois où il se passe rien. N'hésite pas à donner ton commentaire si tu as aimé la vidéo, laisse un petit pouce bleu, prends soin de toi, et moi je vais aller prendre 4 Doliprane. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you.